Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Sniper Ghost Warrior 3 sur PS4 Pro. Donc le jeu, attendez, je vais juste voilà, reculer un petit peu le micro. Le jeu est encore en train d'installer une mise à jour et des trucs, donc du coup on va se faire vite fait le prologue. Donc on est sur PS4 Pro, mais on va se mettre en normal. Je ne peux pas vous dire exactement ce que la version PS4 Pro apporte, dans le sens où à un moment donné, ils parlaient de faire tourner le jeu en Ultra HD sur PS4 Pro. Et puis ensuite, ils ont fait une interview en disant qu'ils tireraient parti des performances en plus de la PS4 Pro, mais pas trop non plus, parce qu'ils veulent pas frustrer les joueurs PS4 classiques et machin. Donc, du coup, je ne sais pas ce que le jeu a en plus sur PS4 Pro. J'imagine qu'il est un peu plus fin, un peu plus détaillé. Ils ont peut-être retravaillé un peu les effets de lumière, ce genre de choses. Et peut-être un peu plus fluide. Genre on n'aurait pas les baisses de framerate ou moins. Ou ce genre de choses, par exemple, j'imagine. Mais du coup, je ne crois pas qu'il tourne en Ultra HD. J'ai pas encore lancé le jeu. Puis de toute façon, avec le boîtier d'acquisition, je suis bloqué en 1080p. Donc je ne peux pas vous dire. Déjà, le temps de chargement est un petit peu long. Pourtant, j'ai un disque dur hybride et une PS4 Pro. Donc ça devrait quand même Elle est plus vite qu'à l'accoutumée. Donc je pense que c'est plus lent avec une classique et un disque dur classique. Et donc ça sort le 25. Et c'est une vidéo qui était absolument pas prévue. J'avais pas du tout prévu de vous parler. Je vais baisser un peu le gain du micro. J'avais pas du tout prévu de vous parler de ce jeu à la base. Et puis finalement, bah le voilà. Donc je vous dirai éventuellement dans la prochaine vidéo qui sortira le 28. Le 28 ou le 29, si j'arrive à trouver d'ici là un article qui nous dit sérieusement les différences entre les deux versions, pour vous les donner clairement, parce que j'aime bien quand même vous donner clairement les différences entre les deux versions, aussi pour les gens qui attendent de voir si ça vaut le coup ou pas, avec ce temps de chargement super long. On va sûrement voir une cinématique. Au moins, moi, je sais faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le système est truqué, frérot. Il y en a qui se font traîner dans la boue, et d'autres qui se font porter au nu sans la moindre raison. Est-ce qu'on est forcément amer et solitaire quand on croit en rien? T'es vraiment le petit soldat parfait, John. Naïf, crédule, une vraie marionnette. Les ordres, rien que les ordres. Oui, chef, non, chef. Hé, toi aussi, tu crois au système quand ça t'arrange. Tu t'es marié à l'église avec une garde d'honneur militaire. Il a même pris ton nom, que je sache. C'était son idée. Mais toi aussi, t'as agi comme un bon petit soldat. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'étais même pas là. Mais merci pour le cadeau. Oh, oh, attends, t'as même pas envoyé une carte de vœux. Elle est pas faite pour toi, Robert. Et c'est toi qui dis ça. Oh, rappelle-moi combien de temps ça a duré ta plus longue relation amoureuse. 6 mois? T'en as pas marre d'être un connard moralisateur et abus de sa personne? Approche finale, les gars. Ça pique. Ouais. Bon, ça... savoir lequel. Ça suffit, tous les deux. Détruisez les armes biologiques et tirez-vous de là. Vous entrez et vous ressortez, un point c'est tout. On est revenu en mode guerre froide là. Alors on sait pas quelles saloperies de produits toxiques sont stockés là. Ok, 3, 2, 1, go, go. Bon. Alors, voyons, parce que la cinématique ça me paraissait pas très beau là déjà. Après les Sniper Ghost Warrior, on sait que généralement c'est un peu... C'est des jeux quand même un peu buggés et pas super beaux. On y est. C'est la frontière russo-ukrainienne. J'avoue. Déjà, vous voyez, ça rame. Enfin, il y a des freezes. Après, il y a encore une mise à jour en téléchargement. Il y a la 1.03, donc peut-être... Ah, il y a du son dans la manette. Et que vous détruisiez son stock d'armes biologiques. Et gardez votre... Vous l'écartez du micro, quand même. Terminé. Après toi, Rob. Mais bon. Donc, du coup, il y a une mise à jour en téléchargement encore, donc, qui peut-être améliore ça. Hein.
C'est pareil, je vous en dirai plus quand j'aurai les infos. D'ici la prochaine vidéo, je vous le dirai quand même si ça a amélioré ou pas cette mise à Tu jour. devrais avoir une meilleure vue de là-haut. Compris. Je vous dirai tout ça. C'est quoi ça? Aucune idée. Un site d'essai, peut-être. Bon, allons jeter un œil. Bordel, j'y vois que dalle. On est trop loin. Faudrait trouver un meilleur endroit. Pourquoi pas là-bas? Il y a un pic à droite du dôme, là. Tu le vois? Ouais, je le vois, mais j'ai un doute sur l'angle de tir, quand même. Allons voir ça de plus près. Oh, l'autre, il est parti, déjà. Attention, les rochers peuvent être glissants. Après toi. Je passe toujours en premier. Parce que c'est toi qui as eu la Navy Cross. J'en voulais pas, moi. Ouais, on dit ça, on dit... Hop là. Ça, du gâteau. Beau travail. Bon, alors, c'est un petit peu... quand même pas super beau, hein. Mais ça va, c'est pas non plus... Ouais, bah je suis tourné à gauche là. Oh. Bon. Oh, je suis de l'autre côté. Moi aussi. Allez, vite. Le temps nous est compté. Par où il veut monter lui? Par là, ok. Merde, c'est une vraie ville fantôme ici. C'est peut-être trop calme pour toi. Dans notre métier, calme ne rime pas avec sécurité. J'ai entendu une bait. Eh oui. Merde, t'es loup. On bouge. Ouais, enfin j'ai pas d'autre arme que le sniper moi visiblement. Putain, on n'arrivera jamais à sauter par-dessus. Avant, ça aurait été ta première idée. Ouais. Bon, et maintenant? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Tu vois l'arbre brûlé là-bas? Celui frappé par la foudre. Pour ça, c'est toi qui as les meilleures munitions. Prends les balles explosives. Ah, c'est comme ça qu'on change d'arme. Ok. Alors, comment on fait pour ouvrir la roue des balles? Balles explosives. Ok. Putain! Beau travail, frérot. À toi l'honneur. Bien, sergent. À vos ordres, sergent. On va reprendre des balles classiques. Ouais, je sais. Bon, par contre, ouais, ça rame. Il y a des petits micro-freeze tout le temps. Je sais pas si vous en rendrez vraiment compte dans la capture, mais je pense. Et j'espère que la mise à jour, elle corrige ça. Putain, la montagne là-bas aussi, c'est pas... J'espère que la petite mise à jour, enfin la petite mise à jour de 9 Go quand même, elle débloque pas que le multijoueur et qu'elle corrige aussi ce genre de truc. Ouais. J'espère que le prologue est pas trop long non plus, parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Vite, derrière ce rocher. J'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais, quel genre? Ouais, ok, ok, ok. Chut, regarde, des loups. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu me crois maintenant? Pour le coup, oui. Ils ont l'air de mâchouiller quelque chose. Pas la peine de les... C'est bon, on est en sécurité. Suis-moi. Bah, j'ai fait un truc que j'aurais jamais fait en vrai. J'ai tiré totalement de sang-froid sans aucune raison sur un animal. J'aurais jamais osé faire ça en vrai. J'aurais jamais pu d'ailleurs. Très clairement. Mais là, ouais, je t'avoue que je l'ai fait sans pitié, hein. J'ai trouvé des empreintes. Elles ont l'air récentes. On va être dans un monde ouvert dans ce jeu aussi après. Et c'est tout? Je te rappelle que c'est toi le tracker de la famille. Des semelles de bottes militaires, deux hommes, des soldats. L'armée régulière, des mercenaires, des éclaireurs? D'après la forme des pas, ils ont l'air disciplinés. Et vu leur profondeur, je dirais qu'ils portaient quelque chose de lourd. Des armes, tu veux dire? Ouais, il y a des chances. À mon avis, il faut s'attendre au pire. Merde. Bon, il est temps de se remettre au boulot. Garde ton sang-froid. Reste cool. Bon, ça me dérange un peu ces micro-freeze et tout là. On sent que c'est jamais fluide. Deux mercenaires là-bas. On va
pas les prendre par surprise. Je neutralise celui qui est près du bord et tu te charges de l'autre à côté du feu. On y va. Quoi ? Trop facile. Il y en aura d'autres. Fais gaffe. Ouais, regarde-moi ça. Par contre, il n'y a pas de sensation quand on tire. Ça fait pas comme dans Sniper Elite ou... Je sais pas, c'est bizarre. Alors prends-le. Qu'est-ce qu'il veut que je prenne là ? Ah bah voilà. Tiens, voilà le drone. C'est le moment de s'en servir. Tu sais utiliser ce genre d'engin, n'est-ce pas ? Ouais, je devrais m'en sortir. L2 et R2 pour le faire monter. Ok. Ok. D'abord, tu dois marquer tous les hostiles. Ouh là là. C'est un peu spécial. Un autre. C'est un peu spécial à piloter, hein. Il y en a 6 des ennemis normalement. On va mettre une plombe hein, parce que. Cible en visuel. C'est bon, ils sont tous marqués. Ramène le drone maintenant. Voilà, bon. Après un foirage. J'ai pu reprendre correctement. C'est une position de soutien idéale. C'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Et donc, comment on fait ? Ah, faut se mettre là-bas. D'accord. Pour zoomer, dézoomer. Ok. Donc. Silence. Il faut les neutraliser un par un avant qu'ils réalisent qu'on est là. On se concentre, mon vieux. Première cible, sur le toit, à 270 mètres. Ah bah, je le vois pas déjà. Ah, il est là. Ouais, c'est chaud quand même parce que là. Ah, on bouge plus. Tango neutralisé. Je l'ai eu. Confirmée. Troisième cible, patrouille. À 160 mètres près du ruisseau. Attends le bon moment. Enfin, qui sorte sa tête à un moment donné. Par contre, c'est très bizarre. Je sais pas, on n'a pas des sensations comme dans Sniper Elite ou là. Là, j'ai vraiment l'impression de tirer avec une carabine à plomb comme à la fête foraine. Je sais pas, c'est très bizarre. Attends. Attends encore. Il se disperse. Cible neutralisée. Quand
confirmé. La deuxième, à 160 mètres. Il se relèvera pas. Cinquième cible. Ah non. À 200 mètres. C'est sûr, il se relèvera pas. Bon. Attends. Véhicule en approche. Sixième cible localisée. Concentre-toi bien. Tu pourras tirer qu'une seule balle, alors fais que ce soit la bonne. Je l'ai eu. Reste concentré, John. Descendons la corde. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Allez, on va descendre à la corde, comme il nous a dit. Ah, j'ai un chat qui vient me coller. Ne tape pas dans le micro, s'il te plaît. Merci. Allez, on descend. C'est très bizarre les sensations. On a l'impression de tirer avec une carabine à plomb. Je suis en bas. Pareil. Suis-moi, Frangin. Bon, après, je vous dirai par rapport au par rapport à la mise à jour et tout, si ça améliore la fluidité. Elle fait un reportage sur un seigneur de guerre local. Ah ouais, c'est vrai. Les forces spéciales voulaient bombarder ce fils de pute. T'es inquiet ? Non, ça va. C'est une guerrière. Elle a l'air fragile, mais faut pacifier. Parce que là, c'est fou. Hein. Si ça fait ça sur PS4 Pro et sur PC, j'imagine, ça fout la rage. Quand même. J'ai le chauffeur en visuel. Non, laisse-le-moi. Attends, il sait peut-être quelque chose. Je suis sur place. Oui, j'ai la cargaison. On va le choper. Un faux geste et t'es mort. Vous êtes combien ? Quatre. À l'intérieur. Beau travail. La routine, quoi. Ça me rappelle l'époque de la Navy. Reste concentré, Rob. Bon, d'accord. Hop, on va le cacher là. On va essayer d'aller à l'intérieur. Ah, ils sont par là. Je le vois pas à cause de l'herbe là. Hein. C'est mon collègue ça déjà ? Ah, je croyais que c'était un bonhomme à buter. Bon là, on entend dans la manette. Hein. Intrus détecté. Oh merde. Ils savent qu'on est ici. Plus la peine de se cacher maintenant. Ah, on va pouvoir jouer comme un bourrinos. On va voir ce que donne le gameplay en jouant. Regarde ça, Frangin. Allez, fais voir ce que t'as dans le ventre. Ah, c'est très bien, par contre, c'est très lourd là, avec cette arme là. Il n'y a même pas une touche pour se mettre vraiment à couvert. Bon. Travail, oh, facile. Après, je sais très bien, je joue en normal, hein, mais ils sont quand même un peu débilos, ça. Et toi, John, t'avais pas une fille en Afghanistan ? Ouais, alors ? Ça s'appelait pas Léa ? Lydia. Alors pourquoi vous n'avez pas... Laisse tomber, Rob. Ok, j'ai rien dit, je suis pas là. Bon, pour l'instant, mon avis est un peu mitigé. Sur le jeu. Sers-toi des caméras de surveillance. On va les baiser à leur propre jeu.
J'espère que le prologue est pas trop long, parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Marque tous les hostiles. Et puis c'est surtout qu'après je vais bosser. Alors bon. Là en bas. Ils sont tous marqués, on y va. Ils sont marqués là? Ah bon? On m'a dit. Je sais pas moi les gars. Oh, c'est quoi cet écran là? C'était quoi cette bouillie de pixels? Ça, ça sent les textures qui s'affichent une plombe après. Il est où lui? Ah, il est parti par là. Il y a l'air d'avoir du clipping aussi. Ça, c'est l'entrée de la décharge. Notre cible ne devrait plus être bien loin. On bouge. Ennemi en visuel. Ennemi en... Je sais pas qui m'a tiré dessus, mais il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus. Ah bah il est là. C'est dégagé, on y va. Il est là, ce Mongolio. Par où on va? On descend? Ok, on descend. Ok, on plante les charges ici. Tu te rappelles comment on fait, frangin? Feu, dépêche-toi, mon pote. Par contre, les cinématiques, elles sont compressées ou je sais pas, c'est bizarre. En fait, à chaque fois, les Sniper Ghost Warrior, j'ai toujours la même sensation. On s'est fait choper, là, ça pique. Vous savez, monsieur. Bon, bah ça fait mal. C'est comme ça que tu salues ton officier supérieur, soldat? Je savais que tu viendrais. Ah, j'allais pas passer mon dernier jour au pays. Ouais, par contre, la même voix en plus jeune comme ça, ça le fait pas du tout. Non. Faut bien que quelqu'un gagne cette guerre. Je te parle de mes bottes que je dégomme les 5 avec 5 balles. J'avoue que c'est tentant. Les combats à main nue font partie de ton entraînement maintenant? T'aurais vu la tête de l'autre type. Ouais, j'y suis. Tu l'avais envoyé à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il avait fait, frérot? Peu importe. Si c'est à propos d'une fille, j'espère qu'elle en vaut le coup. Et souviens-toi, maman s'inquiète pour toi quand même. Ce sera toi, l'homme de la maison, comme moi, je serai parti en Afghanistan. Ah, je sens déjà l'odeur du dîner. Méprends pas, on mange bien à l'armée. Ah, bon sang, qu'est-ce que je donnerais pour les bonnes ailes de poulet de maman? Je te rappelle quand on jouait à cache-cache ici? Comment j'aurais pu oublier? T'étais vraiment nul. Je me souviens qu'une fois on. Ben là, il a disparu par contre. Oh,
Bon, je pense pas qu'on aille plus loin pour cette vidéo, hein. Pas vous faire une vidéo trop longue. On va peut-être, je vais attendre quand même le temps de chargement pour voir ce qui se passe après, mais je pense qu'on va surtout s'arrêter là et qu'on va pas aller plus loin. Je vais couper aussi le moment où j'ai un peu foiré avec le drone parce que je mets une plombe et que en plus je me suis fait choper à un endroit. Donc je pense que vous le verrez pas. Donc voilà, pour l'instant, bon, j'ai un avis assez mitigé. Je vais jouer quand même quelques heures d'ici à la prochaine vidéo. Je vous dirai un peu si la mise à jour 1.03 a amélioré la fluidité et ces petits freeze là. Et surtout, j'essaierai de trouver exactement ce qu'apporte la PS4 Pro. Parce que sur la boîte, c'est bien marqué qu'il est optimisé pour la PS4 Pro. Donc, de voir ce qu'il y a en plus sur PS4 Pro. Parce que si, même après la mise à jour, il y a ces micro-freeze et tout sur PS4 Pro, j'ai bien envie de voir ce que ça donne sur PC et surtout ce que ça va donner sur PS4 classique. Parce que s'il y a déjà des micro-freeze et des temps de chargement comme ça sur une PS4 Pro, j'imagine sur une classique, ce que ça peut donner. Et c'est pas très cool, très clairement, parce que il y a moyen de faire mieux que ça, même sur une PS4 classique ou sur une Xbox One, il y a moyen de faire mieux que ça. Ils avaient déjà annoncé que sur PS4 ça tournait 1080p 30 images secondes et sur Xbox One 900p 30 images secondes. Et donc ouais, ils disaient que sur PS4 Pro, ils voulaient pas non plus, ils voulaient quand même utiliser la puissance en plus, mais pas non plus frustrer les joueurs de PS4 classique en faisant un truc de ouf, 10 fois supérieur ou quoi, alors que bon, c'est pas ce qu'on leur demande, mais très clairement, ils voudraient quand même un truc un peu plus fluide, quoi. Déjà, ce serait bien. Donc je ne sais pas, en tout cas, vous voyez, les temps de chargement sont quand même super longs. Du coup, je vais aller faire le rendu, je pense. On va s'arrêter là. Et je vous mettrai ça à uploader pour le jour de la sortie. Enfin, je la mettrai en public pour le jour de la sortie. Et en espérant quand même que ça vous donne un petit aperçu. Sachant que moi, c'est la version Season Pass. En fait, je l'ai payé le prix normal. Mais il y avait la version Season Pass à 50, je sais plus, 55 euros, un truc comme ça. Donc j'ai pris cette version-là. Donc voilà, j'ai eu quelques trucs en plus, et puis bah, y aura deux campagnes ou je sais plus quoi en plus qui sortiront après. Enfin voilà, il y aura des trucs en plus avec le Season Pass, mais ces temps de chargement sont juste affreusement longs, et ça par contre, c'est pas normal. Regardez-moi le temps que ça met. Ça, c'est pas normal. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc pour l'instant, mon avis est vraiment mitigé. Je vous en reparle dans la prochaine vidéo, si j'ai les infos qu'il faut et quand j'aurai un petit peu avancé pour vous dire un peu quand même ce que j'en pense. Parce que là, mon avis est quand même très mitigé. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.